Coucou à tous et bienvenue sur La Fée Kiki. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel de l'album en 3D qui est, je vous avais proposé en kit. Donc je l'avais fait avec la collection Sur la Baie qui est au catalogue donc saisonnier que vous avez pu découvrir. Alors moi c'était ma collection coup de cœur. Donc je vous laisse là. Je vais vous la présenter. Donc, elle est page 22 et 23 du catalogue. Donc, j'adorais le papier principalement. J'ai trouvé qu'ils avaient des super couleurs, un super reflet et donc une possibilité de faire des jolies choses. Voilà. Donc, l'album, il se présentait comme ceci. Voilà. Hop. Et il avait un effet, en fait, 3D. Je vous le montrerai mieux dans l'autre sens tout à l'heure. Donc, voilà, donc le principe était de vous faire le petit tuto dessus. Je profite aussi pour vous rappeler du coup que donc nous sommes en janvier, le catalogue saisonnier qui a débuté le 3 sera disponible jusqu'à fin avril. Et il a également, il y a également donc comme tous les ans, en début d'année, la fameuse promotion des Celebrations. Donc avec ces petits fascicules, cette petite brochure. Donc le principe est simple. Vous commandez pour 60 euros d'achat. Vous choisissez donc un cadeau donc par tranche de 60 euros. Donc là par exemple les petites chouettes que vous avez dû voir beaucoup sur internet, les carottes. Voilà. Et si vous dépassez le step des 120 euros d'achat, vous pouvez choisir soit deux cadeaux à 60, soit un plus gros par exemple. Tac tac tac, par exemple ce set de tampons à 120. Il y a aussi la possibilité de rejoindre Stampin' Up pour les Celebrations avec des offres super intéressantes avec les fournitures de lancement. Les deux premières options sont à 160 euros que vous payez, vous choisissez pour 230 euros de fournitures dans tous les catalogues. Et vous avez en plus la mini machine de découpe, soit en bleu, soit en blanc. Et l'autre possibilité, c'est si vous n'avez pas besoin de la mini-machine de découpe, vous choisissez pour 230 euros de fourniture, vous payez 129 euros seulement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements. Donc aujourd'hui, le kit dont je vous l'avais proposé avec la collection donc Sur la Baie, que j'avais proposé à la vente avec plusieurs options et donc on pouvait la compléter, j'avais proposé avec les alphabets, voilà ce petit lot là en plus pour pouvoir faire les étiquettes ici, voyez, je trouve que c'est super pratique ce petit lot, je ne l'avais pas vu au début, je l'ai découvert en fait, pourtant il était au catalogue annuel, je l'ai découvert à On Stage en fait avec Évasion Créative qui avait fait des petits swaps avec et je trouvais ça trop trop beau. Vous voyez, on peut s'en servir pour mettre aussi des dates, voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter avec la collection Sur la Baie, j'ai choisi de prendre une nouvelle collection qui est toujours au catalogue saisonnier, la collection donc Balade Champêtre qui est donc page 8 et 9. Donc avec, donc c'était ces papiers là proposés, voilà. Vous avez un lot perfo plus set de tampons, bouquet de cœur, donc qui est à 45,75 €. Donc le duo de ruban, les papiers bichés en 15,3 par 15,3 et les papiers design en 30,5 par 30,5. Voilà, donc vous avez aussi les petits sequins qui peuvent ajouter un peu de peps au projet. Et vous avez aussi pour compléter éventuellement, donc celui-ci je ne l'ai pas mis dedans, mais ce lot-là qui peut être très sympa à rajouter avec cette collection. Donc je vais retourner la caméra et on va pouvoir commencer. Voilà, donc vous aurez besoin. Donc déjà, pour ceux qui ont commandé le kit, vous avez reçu le PDF donc de l'album, tout simplement. Donc, où vous avez toutes les explications. Je rajouterai sur la page aussi, enfin, sur le groupe également, le PDF pour que vous puissiez le reconsulter ou le télécharger si ce n'était pas déjà fait. Alors, pour commencer, il vous faudra prendre des feuilles de 30,5 par 30,5 de blanc simple.
Alors, il vous en faudra 5. Et dans ces 5 règles-là, vous allez couper 10 morceaux de 15 cm par 30 cm. Quand vous avez coupé vos feuilles de papier, vous avez vos 10, vous prenez un paquet, donc vous prenez 5 des feuilles et vous faites un pli à 15 cm. Et sur l'autre partie, donc les 5 autres, vous aurez également des plis à faire à 7,5, 15 et 22 cm. Donc ça, on va le voir après. Donc, il faudra déjà donc 5 papiers 30,5 par 30,5 blanc simple. Vous faites 2 tas de 5. D'accord. Il faudra également donc du papier design, donc vous choisissez. Donc moi ici j'ai pris la collection champêtre. Il me faudra 10 morceaux de 3 cm par 14,5. Moi je vais utiliser de ce côté-là, je pense d'ailleurs. Il faudra également 10 morceaux de papier design, pareil, de 14,5 par 3,5. Là, j'ai pris le papier sorbet sucré qui va avec le papier design. Donc, j'en ai pris 5 morceaux de 15 par 15. Voilà. Ensuite, il vous faudra encore 10 morceaux de papier design de 7 par 14,5 cm. Et ensuite, ça, c'est vraiment... Ça, c'est pour la déco de la couverture. Donc, moi, j'ai pris... un papier blanc simple de 13,7 cm par 13,7. Donc là, je l'ai déjà embossé avec le plioir 3D mot usé, que j'aime beaucoup. Il a un aspect super sympa. J'ai pris un papier Vichy de 14,7 par 14,7 cm. Donc voilà, ça c'est pour la déco. Un ruban, donc j'ai pris la jute, je trouvais ça sympa. Et... Donc, j'ai fait déjà quelques petites découpes et j'ai déjà estompé pour gagner un peu de temps pour faire ma déco. Voilà. Et le petit sentiment que j'ai pris, il vient du set des Celebrations, donc qui est ici à la page 5, cadeau du jardin. Donc, voilà. J'aimais beaucoup les petits sentiments. Il y a tu es à croquer, cultivons le bonheur, je t'aime, merci. Bref, c'est des petits sentiments assez sympas et pratiques à mettre. Donc, j'ai déjà fait la petite étiquette. Voilà, donc on va commencer. Alors, juste avant, je vais juste vous représenter donc, le petit album que nous allons confectionner. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez, il y a des pages. Donc là, c'est les photos de vacances qui ont été mises dedans. Mais en fait, l'avantage de cet album, c'est l'originalité, c'est cette présentation qui fait quand même un aspect assez waouh et sympa. Donc, on va commencer par faire les pages. On va prendre 5 feuilles donc, de 15 par 30 que nous avons découpées. Voilà, donc je répète, des mesures donc 15 cm par 30 cm. Et nous allons marquer un pli à 15 cm. Donc, on prend son coupe-papier et on coupe. Une fois que les plis sont faits, on reprend les autres morceaux de 15 par 30 cm. Donc, c'est ce qui va faire les pages intérieures, ça. Donc, toujours donc, des feuilles de 15 par 30. Et là, cette fois-ci, on va faire des plis à 7,5, 15 et 22,5. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre nos morceaux de 15 cm par 15 cm. Et donc, nous allons faire nos plis à 4, 7,5 et 11 cm. Donc, à 4 cm. D'accord. À 7,5 et à 11 cm. Et on fait pareil pour les 4 suivantes. Donc, une fois que nous avons marqué tous nos plis, on va les
on va utiliser notre pureur et bien les marquer tous de cette manière-ci. Donc ici, on va plier en deux les 15 par 15. On va revenir par-dessus. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. De manière à obtenir ceci. Voilà. Donc on fait la même chose dans les 5 autres morceaux. Donc pour cela. Pour les blancs. Donc on va plier donc la moitié. Et pareil, on va venir par-dessus. Revenir plier comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc on fait pareil dans les 5. Donc vous voyez, à chaque fois on obtient quelque chose comme ça. Et ensuite, les pages, tout simplement, celles-ci, on va les plier en deux. Et celles-ci viendront comme ceci. Voilà, donc c'est parti, on plie le tout. Donc maintenant, on va, donc ces parties ici là qui sont à l'intérieur, on va les décorer. Donc on va tout simplement prendre les morceaux qu'on a ici prédécoupés donc de 3 par 14,5 cm. Alors moi, je veux que les gens vont regarder au niveau esthétique si je préfère que ça fasse comme ça. Donc faut imaginer la page, ça, ça va aller dedans. Ensuite, il y aura celle-ci qui va venir par-dessus. Est-ce que je fais ça comme ça? Ou je vais peut-être mettre le bleu pour trancher. Je vais peut-être faire ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus donc qu'à coller mes petits papiers de décoration sur chaque partie. Donc ici, il est 3 cm par 14,5. Ici, donc, c'est 3,5 par 14,5 qu'on va mettre sur le côté comme ceci. Et ici, on va venir mettre les 7 cm sur 14,5. De part et d'autre, donc pareil, de chaque côté, on va le faire comme ça. Donc c'est parti. Voilà, une fois que tout est collé, donc les papiers design sont collés, on va commencer à monter notre album. Donc c'est maintenant que ça se complique, on va dire ça comme ça. Donc comment ça on procède? Il suffit donc de prendre une page donc, de 30 cm par 15, donc qui était pliée en deux. D'accord? On va prendre une de 15 par 15 et l'autre de 15 par 30 avec tous les plis. Et on va commencer par coller celle-ci. Donc on colle d'abord un côté. D'accord? On va coller cette partie-ci comme ça. En étant vraiment bord à bord. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Donc on met de sa colle. Alors vous utilisez également sinon du double face hein, si vous voulez. Moi, je préfère prendre de la colle pour la seule et unique raison là. On peut jouer encore avec la colle un petit peu si on n'est pas très droit ou voilà, on peut réajuster toujours avec la colle plus facilement qu'avec le double face. Une fois que cette partie là va être collée, d'accord, alors on va prendre une partie ici, donc on va venir coller celle-ci. Donc celle-ci va venir se coller au bord d'ici, en faisant attention que le milieu, donc qu'on a de la page donc à 15,
on soit bien au centre, d'accord? Donc il faut centrer, qu'on soit bien de part et d'autre au centre. Donc on va mettre de la colle ici. Donc on fait attention au sens des motifs, c'est pour ça là que j'ai retourné la feuille parce que je n'avais pas regardé le sens au départ. Donc on va venir mettre ici bien bord à bord et on vérifie que là on est bien. Vous voyez, qu'on soit bien droit. Donc on vient ajuster. C'est pour ça que la colle c'est un peu plus pratique pour que le double face. Et donc ici, maintenant qu'on a fait ça, on va venir plier comme ça, on met sa colle. De nouveau, alors ou double face évidemment pour ceux qui préfèrent et qui sont à l'aise avec. Et là je vais mettre bien à plat et coller cette partie là, d'accord. Tac. Ensuite je vais venir coller ma dernière partie, donc pareil. Je mets ma colle et je procède de la même manière. Donc, voilà. Et donc on a ceci. Donc on va faire la même chose dans les autres. C'est parti. Voilà, maintenant qu'on a fini de décorer toutes nos pages, il ne reste plus qu'à les assembler. Alors on vérifie bien que les motifs sont dans le bon sens, et donc là on va procéder de cette façon. On va mettre de la colle ici, on va en coller comme ça les pages de cette manière. Hop, on va prendre la suivante. Et ainsi de suite, d'accord. Donc pareil, double face ou colle à votre guise. Donc on va mettre, donc là le but c'est d'être vraiment bord à bord et pas en décalé, sinon ça va pas être très joli. Alors moi je me mets comme ça en face. Voilà. Et je laisse bien sécher et bien prendre la colle pour éviter que ça se décale. Et je recommence l'opération pour toutes les pages. Donc vous voyez, c'est vraiment un album qui n'est pas compliqué à faire. Il faut juste prendre le temps de bien découper, bien tout plier et ensuite d'assembler. Voilà. Alors je vous laisserai me dire ce que vous en pensez de cet album, mettre des petits commentaires et éventuellement des photos de vos réalisations. Je serai ravie de les voir par la suite. Hop. Alors ouais, je mets la dose de colle parce que je ne veux pas que ça bouge. Les albums, j'ai horreur de voir quand ça se décolle, donc je veux que ça soit vraiment parfait. Voilà. Tac. Et le dernier volet ici. Et on vient le mettre pareil. Voilà. Et donc nous avons notre album pratiquement terminé. Il ne nous reste plus que la décoration. Alors pour la décoration, j'avais choisi donc de prendre ça. Je vais également, parce que je n'ai pas pris, découper donc dans le Vichy un autre morceau pour mettre à l'arrière.
Alors, je vais prendre ça de suite. Allez, je vais prendre le même, tant qu'à faire. Donc, c'était celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, pardon. Voilà. Et on verra si on va taper quelque chose. Donc, déjà, ici, le ruban, il va passer. Donc, moi, je vais le faire passer entre ce morceau-là. Vous voyez? Et l'autre. Donc, il va passer comme ça. Ici. Et ensuite, je vais mettre mon papier embossé par-dessus. Donc, déjà, je vais fixer. Donc, j'avais fait un morceau de... celui-ci, c'est 14,7 par 14,7. J'avais fait vraiment au ras de l'album, des pages blanches. Donc, ici, je viens le mettre là. Vraiment au ras. Comme ceci. Là, je vais en découper un autre, du coup, donc 14,7 par 14,7. Je fais 14. Voilà, c'est bon. Tac. Hop, je vais coller au dos également, comme ceci. Et ensuite, on viendra fixer le ruban. Voilà. Donc, le ruban, pour le fixer, déjà, on va le positionner. Hop. Alors, moi, je mets un double face ici, à ce niveau-là, pour pouvoir le... Oh, bon. Je vous décale en même temps. Pour éviter que ça bouge, alors on prend un morceau de double face. Alors, où j'ai mis mon double face? Ici. Donc, moi je mets du double face rouge. Alors, hop, on va la boucher. Donc, alors moi je fais à la louche hein, pour les mesures et le centre. Voilà. Je viens juste décoller cette partie-ci. Voilà. Et de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Le ruban, je l'ai mis. On peut faire un nœud. Hop. Ensuite, on va passer celui-ci. Alors moi, j'ai envie de le mettre un peu de biais, comme ça. Donc, là. Je viens juste le positionner comme ceci. Ensuite, ma décoration. Donc, je vais venir mettre celui-là comme ça. Je vais faire ça. Donc, un premier cœur collé normalement.
Donc je vais mettre ici. Ensuite ici je l'ai tamponné et découpé au ciseau. Donc celui-là je vais le mettre un petit peu comme ça. Là je vais prendre une mousse 3D tridimensionnelle pour le fixer. Voilà, comme ça il va revenir un peu en relief. Je trouve que ça peut donner un côté sympa que de tout avoir sur le même plan. Donc, comme ceci. Alors, j'ai un petit cœur. Donc ça, je l'ai fait dans pétale rose en couleur. Et les autres, c'était sorbet sucré. Et le vert, c'est feuillage sauvage. Ensuite, je vais mettre du petit feuillage. Donc là, je l'ai fait en deux fois. En deux... j'ai estompé deux fois. On va mettre ça comme ça, je pense. Ouais, je vais faire ça. Alors, je mets mes petites feuilles. Une comme ça. Une autre comme ça, tiens. Hop. Après, faire une comme ça. Et une dernière comme ceci avec un petit cœur rouge ici et hop et le dernier je vais mettre pareil en 3D. Pour qu'il ressorte un peu, que ce soit pas sur le même plan. Voilà. Ça c'est pas mal. On va mettre la petite étiquette ici. Tuer à croquer. Donc celle-là je la mets comme ça tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir peut-être ajouter des petits gemmes. Alors, je ne les ai pas sortis, donc je vais les sortir. Attendez, vous entendez le bruit du set qui vient de tomber. Alors, lesquels allons-nous mettre pour que ça ressorte? Soit je mets des cristaux du Rhin. J'aime beaucoup les cristaux du Rhin en général, je trouve que ça apporte beaucoup de peps. Mais sinon, je peux prendre peut-être les petits sequins. Alors, on va voir ce qui est le mieux. Alors, sinon, on a ceci qui était avec la collection. Mais. Non, je vais préférer les cristaux du Rhin. Donc, je vais prendre un grand ici, un plus petit. Et voilà. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, ensuite, il ne vous reste plus qu'à éventuellement, du coup, décorer l'intérieur du mini-album. Alors, hop. Donc, vous avez votre album, comme ceci. Et voilà.
Alors, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires et des petits pouces en l'air sur cette vidéo. Et à me poser des questions si vous en avez. Allez, à bientôt!